Alors, chez Click, on a une émission qui s'appelle Click and Chill, dans laquelle on demande à des artistes de proposer des clips qui les ont marqués. Et pour ceux, c'est le numéro un de toutes les playlists. Kim Chapiron et Romain Gavras, qui ont réalisé ce clip, ils disent que l'idée de base, c'était de faire un clip de Kairam avec des Kairam qui rigolent. T'as des anecdotes ou t'as des images qui te reviennent. Moi, je rigolais pas, j'étais à fond dedans. Ah ouais, j'ai vu. J'étais sérieux. Bon, à un moment, c'est un moment, je souris quand je suis chez l'épicier, avec la caméra accrochée sur moi, comme ça, c'était assez drôle. C'est une belle expérience. Bon, voir les quartiers comme ça aussi déchaînés, mais toujours dans une bonne ambiance, tu vois. Pas de violence, rien d'hostile. Et puis, c'est la première fois qu'on voyait autant de roues arrière dans un clip. C'est vrai. Quand je l'ai vu, j'étais choqué. J'ai fait, il va se passer quelque chose. En plus, le clip, il se distribuait par DVD, comme ça. Donc, C'était un des premiers clips aussi que les gens... Il faut resituer, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Dailymotion. Ouais. Les gens envoyaient même le fichier sur les réseaux, ça s'envoyait par mail, il y avait des trucs... Ouais. C'était incroyable, ouais.